On a gagné le derby de la Garonne. On a gagné contre Toulouse 3-1. But de Nicolas de Préville. But de... Ah, Pablo. But de Pablo. But de Wang. Magnifique but. Et après, je ne sais plus si ils ont marqué avant ou après, mais je crois qu'ils ont marqué après le but de Wang. Ils ont marqué un beau poteau rentrant. Le Koulouris. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûr. Bordeaux, ils ont marqué un troisième but, le dernier but de Wang. Je me suis foutu un poil, la tête de ma mère, je me suis foutu un poil. Regardez le petit esseret. Vous avez vu comment je me suis foutu un poil pour un but, pour une victoire bordelaise? Ah, ça c'est quand on supporte notre équipe. C'est quand on supporte notre équipe. Là, quand j'ai vu ce match-là, on peut jouer cette Ligue des Champions. Et cette Ligue des Champions, si on la joue, on va la gagner. On a perdu contre Paris. On a dit, ouais, j'ai vu les commentaires qu'ils ont vus. Hein. Ouais, si on joue contre Paris... On a perdu contre Paris, excusez-moi, on a perdu contre Paris, on va mal jouer là, le derby, on va perdre, après la suite on va mal jouer, on va encore descendre en classement. Bing! L'attaque a été superbe, la défense a été superbe. Certes, dans le but du Toulousain, le défenseur n'a pas attaqué, mais c'est pas grave, c'est qu'un but. Mais là, super! Là, dans 2 semaines, on joue contre Saint-Etienne. Du coup, dans 2 semaines, on va encore gagner. Du coup, si on gagne contre Saint-Etienne, on peut avoir notre place. On peut jouer l'Europe. Vous voyez? On a fait, ouais, les Bordelais, ils n'ont pas recruté des grands joueurs, à part Colzini, tu vois. Après, ils n'ont pas recruté grand-chose. Wang, Benito, Aïd Benacer, Colzini, Bellanova. Après, ils ont recruté quoi? C'est tout, je pense, si je ne me trompe pas. Avec ça, on peut bien jouer. On peut jouer l'Europe. On peut la gagner. Non, je crois pas. Je crois pas que je peux gagner l'Europe. Je pense pas. Où les Bordelais? On va jouer à la 3ème, 4ème ou 5ème place cette année. Et je le sens. Mais on va pas être plus bas que 5. Pour moi, plus bas que 6 max. On va peut-être jouer les barrages de la Ligue Europa. Mais. On va pas jouer mieux. 2 semaines, on joue contre Saint-Etienne. Vous voyez? Saint-Etienne, je ressens moins le nouveau entraîneur que le Puel. Ce soir, qui joue contre Lyon. Mais si Saint-Etienne perd contre Lyon ce soir, ils auront le temps de jouer une tactique dans 2 semaines pour jouer contre Bordeaux. Et s'ils font ça, ils auront la chance de gagner contre Bordeaux. Mais comme nous, notre équipe est 10 fois plus forte, on va gagner ce match. Ok? Nous, on a bien joué contre Toulouse. On a fait des beaux buts. On a fait des beaux buts. On a fait un jeu de possession. On a très très bien joué. Les Toulousains, ils ont joué comme ça, ils ont joué à l'aveugle. Les Toulousiens, ils ont joué à l'aveugle, comme ça, ils ont cru un peu le ballon comme ça. Ici, je vois pas. Nicolas de Préville, je parle en dribblant, mais Nicolas de Préville, t'es le meilleur joueur de la Ligue 1. La tête de ma mère, t'as marqué un beau but. Un beau but qui était contré par le défenseur, mais il est quand même beau. T'as marqué un beau but. Tu passes joueur, je crois que c'est toi le joueur de ce match qui a passé tout le monde. Je pense pas. Si j'étais dans ma tête, je vais. Allez, Nicolas de Préville, allez, Nicolas de Préville, allez, 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 allez. Et après, quand j'ai vu que t'as marqué le but, oh, wow, la joie, j'ai pris des confettis et tout. Ah ouais, c'était la joie. Chez moi, c'était la joie. Bah, j'étais tout seul dans ma tête, mais c'était la joie quand même. Moi, je pensais comme ça. Je pensais comme ça dans ma chambre quand il y avait un but. Et mon frère était à côté de moi, il m'a fait: What? Pourquoi tu te mets à poil?